Salut mes petits camarades. Aujourd'hui, nous sommes le combien? Le 10 juillet, c'est ça? Oui, je pense. Vendredi 10 juillet. On est parti, ma petite fille Alexandra et moi, visiter le site de la Roche-Margaux. Donc ça se trouve à Les Hautes-Rivières, dans les Ardennes. On va grimper, vous avez vu ça, un peu raide derrière là, pour vous montrer quelques vues magnifiques de là-haut, donc sur la vallée de la Semois et la rivière Semois. Et puis bah, au fur et à mesure de la progression, voilà, on va faire quand même des pauses parce que ça grimpe sec. Et puis bah, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein? T'es contente d'être avec papy, toi la diplômée? Bah ouais. Alors mes petits camarades, après une sacrée grimpette, hein, n'est-ce pas ma chère Alexandra? Ouais. Il n'y avait pas d'arrêt possible parce que ça grimpe tout le temps. En fait, on arrive à la Roche-Margaux, c'est le premier arrêt, c'est le premier plateau. Regardez un peu cette vue-là sur la vallée de la Semois et sur le village qu'on appelle Les Hautes-Rivières. Donc c'est un village qui est quand même très 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 étendu, hein, et qui jouxte la frontière belge. Regardez un peu cette vue, c'est magnifique, cette roche, c'est fantastique. Alors ici, ben, on sent pas le moisi, hein, c'est pour ça qu'on est sorti, ma chère Alexandra, parce que justement, on commençait à sentir le moisi et le champignon. Ici, on s'aère. Hein. Ah bah oui. Hein, on se fait du bien aux poumons, on se fait du bien à la vue. Alors comme tu disais, ma chère Alexandra, ben, c'est vrai, on peut faire n'importe quelle photo qu'on veut, même la plus belle du monde, ça ne remplace pas, et je suis d'accord avec toi, l'œil humain qui est le plus bel appareil photo qui soit. Il faudrait qu'on ait en fait un appareil photo intégré dans le cerveau. Ouais. Et puis qu'on sorte, si tu veux, la carte machin là, pour voir des vraies belles photos vues par l'œil. Enfin voilà. Donc, on est bien. C'est la première sortie de cette journée-là, parce qu'on va en faire deux, évidemment, avec une pause repas, vous en doutez, et au milieu. Hein. Mais bien sûr. Donc ça, c'est la sortie du matin. On va aller manger quand même un petit morceau tout à l'heure. Moi, ça commence déjà à me travailler, je ne sais pas toi, parce que toi, t'as bu ton lait et tes céréales. J'ai mes céréales. Donc tu vas tenir le coup. Moi, j'ai pris qu'un croissant et puis une tartine avec du beurre et de la confiture. Ça ne tient pas au ventre. Hein. Moi, avec ça, je suis un malaise. Du plus solide que ça. Et donc voilà, ça commence déjà à me travailler. Alors je sais pas l'heure qu'il peut être. Hein. On est arrivé, il était 10h. Il est peut-être bien à 11h ou quelque chose. Et ben j'ai déjà faim. Vous me croirez si vous voulez. J'ai déjà faim. Donc on va aller se balader un peu quand même sur le plateau pour que je monte tout ça à Alexandra. Et puis, il faudra quand même qu'on redescende vers le passe-croûte. Hein. On a beau dire ce qu'on veut, on est aussi sorti pour ça. Hein. Bah ouais. Bon, marcher, bouffer, bouffer, marcher. Voilà. C'est pas mal la vie? Ah si. Ah bon. Alors voilà, mes petits camarades, on a bien mangé, hein, ma petite Alexandra, là. C'était bien, hein, comme d'habitude. Ah oui, c'était bon. Hein. T'as eu du mal quand même pour la glace, mais c'est passé quand même. Hein. Ouais. T'as vu, il y avait encore de la place. Je te l'avais dit, la glace, ça passe toute seule. Tout seul, la glace. Donc cet après-midi, deuxième parcours, on s'en va au ravin de l'Ours. Donc le ravin de l'Ours, bah, c'est un ravin chargé d'histoire parce qu'il y a eu une concentration ici pendant la dernière guerre, la seconde guerre mondiale, de résistants ardennais, donc qui se planquaient un petit peu partout dans les bois pourchassés par les Allemands. Donc c'est en même temps une promenade, mais aussi un parcours historique. Hein. Donc voilà, en principe c'est plat, ça descend un peu pour aller et puis et forcément en remontant ça sera un petit peu plus dur, mais on aura digéré d'ici là nos frites et notre steak. Donc voilà, on va découvrir ensemble quelques endroits comme ça, du souvenir français on va dire. Hein. C'est important ça, la résistance française, un grand moment d'histoire ici. Voilà. À tout à l'heure. Nous voilà partis et nous voilà déjà à côté d'un ruisseau. Alors voilà, c'est le ruisseau de l'Ours. L'Ours, en fait, c'est pas parce qu'il y a des ours ici, hein, c'est parce que le ruisseau s'appelle comme ça. Alors évidemment, dès qu'il y a de la flotte, dès qu'il y a un pont, il faut que papy dévie la route parce que c'était pas prévu comme ça au départ. Tu m'avais dit, papy, que cet après-midi. C'était du plat. Or, je vois qu'il y a déjà un pont, donc ça descend. Hein. Ça descend. Et puis après, ça remonte de l'autre côté. Et ça remonte. Voilà. Donc, on ne sait pas où on va aller encore avec papy, c'est encore la surprise. Mais c'est vrai que dès qu'il y a de l'eau, c'est quand même chouette. Hein. Ouais. Il n'a pas plu beaucoup ces derniers temps. La barrière de sécurité qui ne sert. Alors oui, barrière de sécurité, t'as le temps de tomber 10 fois, regarde. Elle est pourrie si tu t'appuies un peu dessus. Ben là, il n'y en a pas. Tu fais aqualibi, hein. Et puis c'est tout.
Donc on va voir, je sais pas, ça me dirait bien de monter en face. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hein, bon, le plat, on laisse tomber. Ouais. A-t-on le choix? La digestion aussi, on la laisse tomber. Aussi. Alexandra, t'es en train de te dire, est-ce que j'ai le choix de dire non à papy? Je sais pas où je suis. Je sais pas où je suis, moi. Bon, ben voilà. Et ben, mes petits camarades, on pensait pas faire un troisième circuit. Ben, on va en faire un, parce que nous avons été dérangés par la maman d'Alexandra, qui n'a pas trouvé mieux que de nous envoyer un message pour nous dire appelle-moi, appelle-moi. On a cru que c'était une urgence. Du coup, on était en Belgique, on est redescendu rapidement à la bagnole parce qu'on n'avait pas de réseau pour l'appeler, simplement pour qu'elle nous dise qu'elle se barrait, voilà, faire un petit tour, point final. Merci Lucille, donc bah, grâce à toi d'ailleurs, je te remercie. On fait un troisième circuit. Comme j'aime pas trop le plat, bah nous voilà repartis avec Alexandra, qui va avoir mal aux pattes demain matin, certainement. Hein. On va encore grimper, mon Alex, puisque normalement, le point de vue, enfin, il y a plusieurs points de vue ici. Hein. Il y en a un qui est pas loin, et puis il y en a un qui est plus loin. Enfin, on va en faire plusieurs. Ouais. Ça va être très bien. On va faire des photos. C'est bon pour les jambes, c'est bon pour le fessier, c'est bon pour tout. Voilà. Donc, merci ma petite Lucille, grâce à toi, plus grande promenade. Voilà. Et ciao.